Balandi ya Congo Live Télévision, tukutani lisusu na numéro ya sika na oyabino le sénateur Marcel lelo tokolobela force ya SADC oyo lelo bazwi bandimiete bakita na ngambo ya Est République démocratique du Congo pour que bango pe ba kota susu maboko na ba FARDC pour que ba chasser ba rebelle ya M23 décision ebimaki na sommet ya Namibie na Windhoek et sika wapi mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Félix président de la République qui na participation à sommet wana tokolobela lisusu kala mingi te le président honoraire Joseph Kabila a ko s'adresser na nation congolaise a koloba nini tokoyeba yango na kati ya émission oyo tokolobela lisusu ba hélicoptère ya armée rwandaise oyo ezali ko ravitailler ba M23 na Tshanzu et bongo tokomeka kolobela lisusu pénurie ya masangu ya maïs na kati ya province ya Haut-Katanga lelo oyo ministre Nicolas Kazadi, le ministre porte-parole à gouvernement Patrick Mouya à l'obique, il y a de mains noires. Tokoué Baba mains noires na émission à l'élo. Alors, mbote mon amboka sénateur Marcel. Mbote, monsieur le journaliste. Nabandi était l'élo pour tout le monde, Maka l'érotique là, parce que l'élo tout à l'heure, comme on a été force régionale à Est et à EAC, à Zali Nangambo à Est et à Mboka Nabiso, de Moni Monisco à Zali Nangambo à Est et à Mboka Nabiso, l'élo l'issoussou force. Si SADC est qui est sous la partie Est et Mboka Nabiso, est-ce qu'ils allaient être trop pour la partie Moko et Est et Mboka Nabiso? Moi, je pense que les chefs de l'État azotambola partout pour la coloca solution et la partie Est et Nabiso. Vous comprendrez qu'il y a de cela des mois passés, les sous-chefs d'État-major Nabiso, mon Mboka Chiko Chitambo, les générales, avaient effectué une mission au niveau de Namibie, qu'on a toujours pour la consola. Comment est-ce que la SADC peut aider notre pays? Parce que déjà la SADC, par le passé, il a peu de temps qu'on a M23. Voilà pourquoi le chef de l'État avait mandaté le général Chiko Chitambwe à mettre un peu sur là avec la force de la SADC. Comment aider Mboka Nabiso pour mettre fin à la barbarie Oyo, Mboka Nabiso est sali victime pendant plus de 4 décennies? Moi je pense que oui, c'est bien, il y a des forces de trop. Moi je pense que finalité, la force union, on a dit de trouver solution à un problème posé. Les problèmes datent depuis de 4 décennies. C'est dans la politique, non? Autantez-moi expérience, autantez-moi jusqu'à ce que vous allez trouver une solution définitive dans le bois Est. C'est ce qui préoccupe notre chef de l'État. Parce qu'elle a dit bien que, jusqu'à la Kamala Mouté, parce que la population de la partie Est, basa ko koufa du jour au jour par les mouvements M23 où ils sont soutenus par les Rwanda. Voilà pourquoi tout ça n'a pas force. Voilà, les présidents avaient espéré que présence de la force régionale, il y a par Dianine, il y a EAC, et il n'y a qu'à apporter solution. Malheureusement, bah et en Mboka Nabiso, bah en connivence n'a pas les mêmes Mboka Nabiso. Voilà pourquoi les chefs mandat à Bangou, Bangou bah au Senga, bah mais pour prolonger mandat à Bangou, mais les chefs à Bangou pour prolonger mandat à Bangou, il y a moins déjà. Amérique au Soudan, SADC, dès qu'il manda bateau est aussi là, automatiquement, force à SADC, il y a un boka, il ne peut pas aider encore pour la deuxième fois, parce que ça l'a déjà parlé passé, pour nous remettre fin à la barbarie, Oyo, M23 au cousin en boka Nabiso. Voilà, lelo oyo force régionale et ya SADC ezoko ya na Est ya Mboka Nabiso. Est-ce que annonce oyo enimisi bande ko Nabiso M23 te? Bien sûr, faut enimisa bango parce que SADC, je crois, par le passé déjà, a eba ko déloger les M23 dans le territoire congolais avec M. Kabila. A yebiye, parce que, au moment où il y a EAC, M23, a quitté. Parce qu'il y avait une complicité dans Katsuana. Tout le monde, les militaires ougandais, les militaires kenyans, les militaires, les miliciens M23, vous comprenez que, il y a les touches là. Mais aujourd'hui, avec la SADC, vu l'expérience qui a passé à SADC, il y a des gens qui sont sûrs et certains que cette fois-ci, on va mettre fin à la barbarie à M23 dans 400 Mboka Nabiso. Voilà, les gens qui ont été en Est et Mboka Nabiso, le massacre est continué, l'agression est continué. Alors, il y a des gens qui ont espéré, parce que mission, les gens qui ont été Est et Afrique, et EAC, force à EAC, les gens qui ont Burundi, les gens qui ont été Makoki à Koya pour combattre la FRDC, les rebelles à M23, mais les gens qui ont été Félix Antoine.
Antoine Tshisekedi le président qui n'a pas signé na bango charte les logos bah yé au lieu ba bunda pour na partie à est un beau biso bah comme na bango lissou sur le col la force et observation Monisco a zawana force et observation tout le monde qui bah comme le col la défense et observation alors Sadek le logo ya est-ce que Sadek part au commandant force et observation t'es en tout cas notre souhait est ali que Sadek comme Maroucho Luba Awa va mettre fin à la tuerie des trônes à partir est et Nabissouana. Selon Yokani, Nakata Windok, qui les Sadek à Zoya Awa pour aider les FARDC pour traquer les mouvements rebelles il y a M23. Vous comprenez? C'est ça, nous espérons que, et Salama, tel que convenu, Toboy, qui est Tokubaye Soussou, comme ça, force encore il y a observation. Comme la MONUSCO, comme les EAC, on a découragé encore une opinion congolaise au bas estimé que non, tu en as besoin cette fois-ci à Kimia et Zonga, définitivement, Nambo Ganabiso. Vous comprendrez que non, tout ça est seulement pourquoi? Parce que les complots étant internationaux contre notre pays, ça n'a pas été ça. Peu importe la volonté, beaucoup de chefs d'État, dans le président, il y a Afrique du Sud, commencent à fustiger d'abord. Bah mouvement na M23 na Rwanda des bazar ko indé population congolaise na partie est. Au moment que il a quand même un souci, il a compris que les Congolais ont beaucoup souffert ne loko wana parce que bande pour ça ça loko monter parce que complot les complot international Kagame est simple porteur ya complot ba pays ça y a matérialisé, c'est ça le problème. Ya moni Kagame a joué le tout pour le tout parce qu'il a dit que avenir ya mboka na ye en deux pas na makambu ya Congo parce que l'économie rwandaise et c'est là qu'a financé à 50% le pillage des ressources à Congo. Voilà pourquoi les chefs d'État ayant compris ces jeux, il y a un moni à Zokende partout et c'est là qu'il pour nous faire Kimia et Zonganambo Kanabiso, comme Mobutu avait dit en son temps, s'il faut conquérir l'alliance avec les diables pour nous Kimia et Zonganazaye, je le ferai. Mais cette fois-ci, avec Tshisekedi, à conclure l'alliance avec d'autres États. Au Balinko et Debiso pour mettre fin à la barbarie Oyo et ça perpétré par les M23 par Nakagami. Mais le lot au monde, on a quatre forces, il y a Sadek, Tozalina, Zimbabwean, Tozalina, Angolais, Tozalina, Namibien, Batouana, Nyoso, Bakoya, Lissousou. Est-ce que, tant que Bako Meka, Issous, Kosangana, Issouna, force, il y a EAC, et Kosala, Moutou, Moutouté, parce que, est-ce que déjà, problème à langue, il s'est posé, Bamsou, Bazolo, Baba Anglais, Bamsou, Bazali, Koloba, Kiswahili, Bamsou, Bazali, Koloba, Lingala, Bamsou, Bazali, Koloba, Français, est-ce que, problème il y a langue et vous avez la difficulté pour que Batouana Nyoso va se mettre derrière faire des rebelles à M23. Non, je ne pense pas langue et vous avez comme une barrière ou bien poser problème parce que à chaque fois même au niveau il y a FARDC, il y a des gens qui parlent l'anglais, il y a des gens qui parlent beaucoup de langues. Je pense de même na ba force monsieur Zoyawana, alors langue est poser problème t'es. Mais sur langue est poser problème surtout dans EAC, il y a d'autres pays qui parlent l'anglais. D'autres pays qui parlent le français, mais ils sont ensemble. Donc, langue, je ne pense pas, et vous avez la barrière. Le problème, vous avez la carawanande que, parce que, force, il y a Sadek, Ming, Soutali, et ça, allié naturel, il y a RDC. Vous vous souvenez avec Mouzé Kabila, tout le monde a force, il y a Zimbabwe, na Namibie, et il y a prêté Congo, main forte à l'époque de Mouzé. Moi, je pense que la Sadek, vu l'expérience du passé, Bazali ba allié moko boyo o bazali surier ya RDC surtout ça dit depuis Mouzé ba aida Congo mingi. Alors nous espérons aussi cette fois-ci ba wana même esprit wana pour na ko aider Congo to se débarrasser définitivement na M23 na Kagame parce que beaucoup de présidents autant qui na soumé wana ya Windhoek tous les chefs d'État tous les pays parties prenantes ya Sadek ba konana ki Rwanda. Par contre, Rwanda a pris une décision, il a aidé le Congo cette fois-ci, va mettre fin à la vente de M23. Moi, nous espérons, nous les Congolais, tous les que il y a comme convenu, va mettre fin à la désordre Oyo, M23, sur la Kagame, la partie est en Bokanabissou. C'est ça le souhait de tout Congolais. Voilà, c'est ça le souhait de tout peuple congolais. Mais pourquoi décision Oyo et Sadek est tardée, boye, aussi longtemps que Tokoukaye Nabissou peut déjà causer Nabissou Sadek, Aya Abundasi. Mais il y a FARDC pour qu'il y ait des rebelles. Mais tu as dit qu'il y a EAC pour que, en fait, tu aies raison dans la SADC aussi longtemps que tu as déjà un partenaire à SADC, Bandakala, avant que tu aies un EAC. Pourquoi la décision est tardée pour que tu aies l'abîme dans le temps? Non, moi je pense que chaque chose a son temps. Il a fallu d'abord commencer quelque part. On pouvait aussi commencer avec la SADC, mais c'est imbité.
Moi, je pense que lorsque le président aille à signer des accords avec EAC, dans l'espoir que il n'y a pas Simba, malheureusement, n'est-ce que okay, les intentions cachées, dans le pays où on a des alakis mabé, il y a découvrir un mot lorsque va commis sur le terrain. Mais lorsque les accords ont été signés, signer qui va nous soit à l'unanimité que va y aider Congo pour la traquer le mouvement rebelle il y a M23. Na auto ça on a une mission précédente à Wakino, les intentions qui n'étaient pas bonnes. Parce que le président a compris qu'on va commis à. Parce que la première déclaration, il y a Jeff Wana, Niaga Wana, devant notre sous-chef d'état-major, Chico Tshitambwe, Chico dit autre chose, lui dit autre chose. Déjà au départ, on avait compris que, Batuo, déjà, il y avait un complot qui s'était déjà préparé en amont. Parce qu'il y a comme un seul Congolais, Chico dit que non, tout bien ici, il y a EAC, il y a EDBISO, tout traqué par le mouvement rebelle, il y a un ajout parole. Jeff Niaga nous dira que non, les forces régionales et après Nakubundati. Déjà, cette contradiction, pour moi, j'avais compris qu'il y a déjà un complot, c'est qu'il y a Katuana. Et Chico a persisté pour dire que non, par rapport, il y a la clause, oh, bah, signa qui n'a bango, bah, il y a pas de plutôt traquer ma groupe armé. Mais on a vu, Jeff Niaga a changé parole, naïe. En même temps, le chef d'état-major à Tanzanie, a changé le langage, naïe. Même il y a Angola. Tu comprends, la corruption, ah, ouais, problème, c'est que le président en a dit. Problème, c'est que, bah, ça, bah, garçon de cour, c'est l'impérialiste. Ils n'avaient pas le choix. Lorsque les impérialistes ont une stratégie, ils ont s'en passer. C'est ça le problème. Ils ont souffert parce qu'ils ont une garçon de course et impérialiste. Si ils ont toqué à gauche, ils ont choisi à gauche. Peu importe leur bonne volonté. C'est ça le problème. Parce que moi, j'avais suivi la première déclaration à Joao Lorenzo. Il a été très dur vis-à-vis du mouvement M23. Mais tu vois que lorsque tu as une troupe angolaise dans le Congo, tu as déployé Bango, tu as un ministre d'État angolais, et chef de la maison militaire, il y a Joao Lorenzo, a sali rétro-pédalage dans le Dirnaï. Pour dire que non, nous ne sommes pas venus au Congo pour combattre le mouvement M23. Vous comprenez? Il y avait déjà quelque chose qui clochait déjà. Moi, j'avais compris déjà que non, je suis déjà maître dans Bango. Vous comprenez? Il y a un moment c'est rétro-pédalage, Salamaki, na Angola, na Tanzanie. Moi, je pense que cette fois-ci, avec la SADC, par rapport à l'expérience passée, tu as dit que SADC a un allié Morona Bissot naturel, ou a aidé Congo Mingi par le passé pour tomber dans le mouvement M23. Et je crois et nous espérons aussi que cette fois-ci, il va aider Félix Tshisekedi pour mettre fin dans le mouvement Oyo, il y a M23 na Kagame, au bazar opéré dans la partie est en Bokona Bissot. Voilà, toujours le massacre est allé continuer. Les lo Oyo, tout le monde, l'hélicoptère et l'armée rwandaise. Ezo kita na na Tchanzu, ezo ravitaillé ba rebelle ya M23. Alors, les gens ont comprendre que infiltration tellement ils allaient na kati ya mboka na biso surtout na partie est ya mboka na biso, les gens oyo ba avion ils allaient ko circuler. Alors, nini oyo gouvernement biso à prévoir derrière ba provocation ils allaient ko sale mana Tchanzu. Moi je pense sur la qui VPM na biso ya défense moi na mboka Bemba Saolona, wa cela qui dénonciation wana. Jusque là, la RDC a encore un bon élève. A observé les cessez-le-feu, aux acquis signés, na Bassis, na Bisso, au Tokenda qui na Nairobi, na Angola. Pourquoi? Tout le monde qui paie ça, ben impérialiste, on a prétexte été. Comme quoi, la RDC a violé les cessez-le-feu, a violé Boy. Parce que tout, ben tout en anglais, je te dis que l'air complot, ça l'inini, y a Kunda RDC. Ben nous qui a prétexte, il va rebimer. Voilà pourquoi. Notre VPM a eu aussi la dénonciation on a pendant que mona trois hélicoptères de guerre il y a armée rwandaise ils ont sillonné na mboka na biso pour renforcer le mouvement M23. Moi je pense que Kagame joue le tout pour le tout parce qu'il a dit que la survie de son pays a dépend parce que dans le bas awa au demi l'économie rwandaise ils auront financé à 50% dans le minerai à Congo. Maintenant, dès lors que le président Félix comprenant que cette guerre est économique, il avait décrété l'état d'urgence. Il y a quatre d'abord ravitaillement Liboso à Rwanda. Il met à mal l'économie rwandaise. Et puis l'arrestation à Mwangachuchu, le principal fournisseur de minerai congolais, dans Rwanda, ils ont des actions où ils ont dit que le Kagame a commandé le Bilobela. Il a perdu même le contrôle. Il a commencé à sortir, mais il a raté trois fois la semaine. C'est pour vous dire que Tshisekedi a saisi le taureau par les cornes. Parce qu'il y a dit que la guerre au Kagame a imposé au Congo, elle dit guerre, il y a pillage à la minerie au Congo. Voilà pourquoi il faut frapper fort par le décret d'état d'urgence.
a frappé fort par la restation à Mwangachuchu, Kagame a l'éli. Non, les lutter. Maintenant, cette fois-ci, Kagame a comme joué le tout pour le tout dans Tcholoba. Ah, voilà pourquoi Kagame, au vie eux aussi de tout le monde, avant de dire que l'hélicoptère n'a armée rwandaise et ravité le mouvement M23. Moi, je pense que jusque-là, la RDC, tu as une position toujours défensive. Il y a qu'on défendre un peu qu'on a mis. Mais le moment viendra où maintenant la RDC va opter pour l'offensive. Parce que le président déjà a sonné dans l'arme, c'est vraiment bien avant. La grande puissance. Les Rwandais nous agressent. Bah, on s'a sourd d'oreille. Les Rwandais nous agressent. Il a sillonné de par le monde, dans la tribune des Nations Unies, avec des preuves à l'appui, démontrant que la RDC est agressée par les Rwandais et les M23. Bah, on s'a sourd d'oreille. Le moment viendra, dans le cours d'une émission ici, le président avait dit dans le sommet à Luanda, devant Kagame, tu n'as que deux options. Soit la paix totale, soit la guerre totale. Option, on a peu possibilité, on a, c'est ce qu'il a écarté à monter. Vous comprenez? Tout ça, on a joué dans la politique à Mundele, on a mis sa mission touche, on a raison. Il y a un moment où le Congo est toujours la défensive. Tout le défendre toujours intégré territoire dans la mission. Mais le moment viendra, je vous dis, le président qu'on lançait, à relancer offensive contre le Rwanda. En ce moment-là, personne n'a condamné à la RDC. Personne n'a condamné Félix Tshisekedi. C'est ça la démarche à Félix Tshisekedi. Il y a un moment qui n'a autorisé au cours d'une émission. Ah ouais, le président a eu le temps de préparer suffisamment notre armée. Il y a qu'à mettre des moyens. 1,6 milliard de dollars. Chose qui n'a jamais été faite dans le monde comme ça. Alors, c'est là qu'on ne peut pas battre. Pourquoi il y a mis que la guerre sera déclarée contre le Rwanda. Vous comprenez? Il y a mis. La guerre sera déclarée. Et puis, tu remettre Rwanda dans l'état mort au monde de vous regretter. Parce que le Rwanda ne fera jamais face avec la RDC. Vu son effectif, vu son arsenal militaire, Rwanda va faire face à Komoté. Il y a un moment où Tshisekedi avec l'armée congolaise, tu as joué la défensive. Pour nous faire un prétexte, l'impérialiste était au Baluka, balkanisation en Boka, il soit précipité en Boka. Voilà. Tolobe la question oyo ozali koloba. Tolobe ki yango na bemission oyo uti koleka ete retrait ya M23 oyo. Est-ce que ezali préparation ya kozonga ya M23 en force té? Déjà to bandi komona ete armée rwandaise abandi ko fournir M23 ba munitions, ani ko fournir M23 ba armement via ba hélicoptère oyo ezali ko ya ko ravitailler ba rebelle ya M23. Lelo oyo ezali ko sala ete M23 à la retour à force n'est-ce que yo awa dans l'émission précédente que les M23 vont aller renforcer ma position parce que la stratégie est simple au cours de toutes les émissions dans l'obaka la stratégie est simple c'est à dire que quoi il s'agit d'une grande ville comme Goma pour pousser les chefs de l'État à négocier avec les M23 c'est ça ben que si les Goma est tombé tu sais qu'il aura son choix il sera obligé de négocier avec eux. C'est ça la stratégie qui est tracée par les impérialistes. Malheureusement, sur le terrain, les FARDC, ils ont été suffisamment préparés pour contenir Bassoana et la M23. Mais, cette option, ils ont touché. Ils ont une option. Récemment, on vient d'arrêter beaucoup de militaires rwandais qui s'infiltrent dans la population congolaise dans Katia Goma. Les mouvements militaires, il y a M23. Tout ça, l'objectif, c'est ce que je viens de dire ici. Il y a quoi il s'agoma pour contraindre les chefs de l'État de négocier avec eux. Or, qui dit négocier, c'est-à-dire prendre en compte leur cahier de charges. Eux, ils allaient l'unir au cas de la signaka. Que ça le mixage, que ça le brassage, que ça l'institution Mboka, que ça le commandement à Nord Kivu, le commandement à Sud Kivu. C'est ça que compte dans le service de renseignement à Bissou. C'est ça le cahier des charges, il y a M23 en Rwanda. Au local qui ministre affaires étrangères, il y a Kenya, à l'objet qui a parti aux États-Unis. Parce que, comprendre les outils Kuna, Bandakala. Et on va toujours, bah, non, so. Le Congo va négocier, Congo doit négocier, Congo doit négocier avec M23. Qu'est-ce qui se cache derrière cette négociation? Il y a un autre qui c'est-à-dire pousser le Congo à négocier avec eux pour que bah, prendre en compte le cahier des charges dans Bango. Tshisekedi étant malin. Il a fait voter une loi dans l'Assemblée nationale interdisant au gouvernement congolais il y a aussi un mixage, un brassage, il y a un groupe armé. Vous comprenez l'intelligence? C'est pour mettre fin à l'Ilokouana. Même s'il y aurait une négociation, ces militaires de M23 bah, au côté de l'armée congolaise parce qu'une loi était déjà votée par l'Assemblée nationale. C'est ça la technique. Voilà pourquoi
nos phares de ces nandaki causerie morale il y a commandant je crois il y a 14e région militaire si je me trompe na Goma kuna azo pesa ba militaire a ebisi bango vous devez être en état d'alerte bozaba na ba cité vous devez contenir tous les assauts ya banguna préparez-vous en conséquence parce que s'il faut mourir nous devons tous mourir ici mais Goma est tombé na sepela ki na causerie morale wana parce que tous nos militaires ont compris bah on se laisser faire devant l'armée rwandaise qui du reste n'ont aucune expérience en matière militaire les Rwandais vous comprenez nous avons une expertise militaire bah généraux bah formés na bah Israël na bah nini malheureusement le gouvernement oh ya Kabila ndé et ben na ko tchaba moi au côté na à côté pour na ko privilégier bah Rwandais bah dirigé pour Kanabiso et cette fois-ci nous avons beaucoup de généraux ou bah une expertise militaire une expérience et pour faire face à l'armée rwandaise et qui du reste bah on sera vaincu les Rwandais mais tout à dit comment on a été lelo oyo phare d'essai effectif il y a phare d'essai et ça dit ebele koleka effectif il y a armée rwandaise même et tout comment on a nini armée rwandaise et ça mukie par rapport effectif na armée et à FRDC koloba kutu ba rebelle il y a M23 azali minoritaire koleka kutu armée na biso alors qu'est-ce qui fait en sorte que ba rebelle il y a M23 ba mené vidir na armée FRDC na biso oui effectivement baza du point de vue effectif baza mukie par rapport à armée congolaise mais mon cher ezo niro ngumuna na mwana mukie même chose à makasi c'est ce qui se faisait. On a infiltré l'armée congolaise à tous les niveaux. Jusqu'au sommet de l'armée. On a infiltré Bino. Il y a toutes les stratégies. Parce que la guerre, il faut comprendre que pour gagner la guerre, hormis l'effectif, hormis l'armement, il y a une stratégie militaire. Si il y a une place pour une stratégie militaire, place pour infiltrer Bazali. Pour arrêter la stratégie telle, on va attaquer les adversaires pour gagner la guerre. C'est ça le problème. Il y a un moment il fallait que ça soit notre toilettage. Il y a des brebignons aux galèzes. On va se dire au sein de la FARDC pour ensuite qu'on gagne la guerre contre M23. Kagame le sait bien. L'armée rwandaise ne fera jamais face à la FARDC. Jamais. Jamais tam Kolomoko. Parce qu'il y a un armement, il y a un effectif malongaté. Il y a une expertise militaire. Il y a un général qui est rwandais, il y a une académie militaire, il y a des colons États-Unis, Azate. Oh, maintenant, il y a Antonio Guterres, il y a M23, il y a des munitions sophistiquées, il y a des armées, mais les mêmes, il y a des phares de Sénabis. Guterres, c'est un mafieux. C'est un mafieux, ces messieurs-là. Ces Portugais, c'est un mafieux. Il ne peut que dire ça. Parce que c'est eux qui alimentent les M23. C'est eux qui sont à la base, il y a complot, il y a complot, il y a souffrir dans les lots. C'est ça le problème. Il ne peut que dire ça pour justifier la présence de M23 dans le sol congolais. Est-ce que le Rwanda a fabriqué Aminouki? Est-ce que le M23 a fabriqué Aminouki? Pour que Guterres se permette de dire une telle bêtise dans les médias? Non. Parce que toutes les armes que M23 a utilisées, bah, on est le principal fournisseur de Nayango. C'est ça le problème. Parce que si on a 4 M23, ravitaillement, à Abundanengeni. C'est ça la première démarche. Si réellement il n'était pas complice, la première démarche, il y a au 4 ravitaillement dans M23. Parce que pour gagner la guerre, il faut que la macasse dans le ravitaillement. Parce que d'où tirent les ravitaillements à M23? Ce sont eux, les Guterres et les mafias internationales qui ont ravitaillé les M23. Vous comprenez? Bango basan arme sophistiquée. Mais comment ils ont réussi à quoi ils ont? Voilà des mensonges pareils. Et puis, il y a haut dignitaire comme Guterres. Et ça, regrettable. Tout ça pour justifier leur complot contre les Congos. C'est ça. On a vu le FARDC qu'on récupérait une quantité importante d'armement à Rwanda. Tant qu'il y a un village dans l'Est de Goma. Tant qu'il y a comment l'armement est sophistiqué. Comment il y a un climat qui est l'armement. Il faut supporter la puissance de FARDC. C'est pour vous dire que la guerre, ce n'est pas seulement l'armement. Il faut aussi avoir l'expertise. Les Congo, tu as une expertise militaire. Parce que Mobutu a formé des militaires. Tu sais qu'il y a une forme. Dans l'académie à Solo, dans les États-Unis, dans Israël. Mais aucun général rwandais a une formation dans l'académie à Tangeli ou Razate. Vous comprenez? Il y a un moment où l'armée rwandaise a classé la meilleure armée dans l'Afrique. Sauf qu'il y a qui m'a cassé. Pourquoi l'armée rwandaise a classé? Mais les Congo est 6e et 7e.
Imaginez un peu ça. Bah, quand c'est chef de l'État, tu as 21 000 hommes na Goma, mais tu as 7 500. Reste à l'armée, tu as un peu de temps. Allez-y comprendre. Et même si tu as chef d'État-major, il y a Congo. Il y a comment remporter la guerre à Marque. Maintenant, nous, 21 000 moins 7 500, c'est combien? Parce que l'armement, on est Tikali. C'est ça le complot dont j'ai fait allusion ici. Et impliqué même dans ma Congolais, dans mon carte. Dans la carte armée, dans Bissot. Maël, alors, le général Maël, alors, qui, sort de mon nid, sort la guerre, et que la guerre, on est là, si on a gagné, c'est que va infiltrer dans la carte à Canabino. Maël l'avait dit. Au sein de FARDC, il y avait une trahison énorme dans les chefs de certains commandants. Les autres deux commandants sont en prison. Général sont en prison. Chirimoua, Mina, Yav. Ils sont en prison pourquoi? À cause de la trahison, ils sont en prison. Comment un chef de commandement, la carte à front, général Yav, comment il y a aux gens en connivence dans Rwanda, auquel les militaires sont en front, ils ont gagné la guerre? Parce que Yav a détourné le camion et armement. Est-ce que le gouvernement a dit ce que parce que les gens qui sont dans l'Est, ils ont dit qu'ils sont dans Kinshasa, ils ont dit qu'ils sont dans M23 dans l'armée rwandaise. Ils ont dit qu'ils sont dans l'Est, tellement qu'ils ont subi l'agression, qu'ils ont subi l'atrocité, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont porté voix haute dans Mitando, dans Makambebele. Ils ont dit qu'ils 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 voix oye bango tokolobela bango mais biso awa na Kinshasa to liko sala ba jeu balobi ke bangoni ke bani koloba na biso et to zali ko sala ba jeu parce que to zali ko porter voix na ba place publique te pona ko dénoncer ba makamino se liko leka soki ba général ya voix na ba zali ko détourner ba armement ya zali général na kata ya FARDC mais azali ko détourner camion mobimba ya armement ti wapi kimi ozonga na parti est ya mboka na biso c'est ce que je vous avais dit ici. Il y a un chef de l'État qui a été en train de se faire. Récemment, il y a mis en place dans l'armée. Il y a beaucoup de généraux complices dans les généraux rwandais. Mais s'il était, il y a une moralité à Moutou, il y a une longueur. Il y a sérieux. C'est ça le problème. On peut vous confier des responsabilités. Mon commissaire terrain au trahir parce que tu as vu l'argent. Au cours d'une émission, notre général Moko Asaki va proposer 2 millions de dollars tant qu'on est dans la partie Est. Mais ce qu'on a dit, c'est que si on a dit que c'est au CD, il y a un moment même dans le monde autochtone, il y a un trahir de la Bango. Il y a un député, il y a un Nord, il y a un Sidi Kiv, il y a un groupe armé. Vous comprenez? Mais bateau, il y a un peu de ça. Il y a un électeur dans la Bango. Tu sais qui dit? A un souci profond dans la partie est. Il y a un moment même sa vie, a tché sa vie en danger pour mettre fin à la tuerie dans les trous. On avait arrêté ici une femme, Aza Mutuya Goma. Yende a fourni sa mine, a collé, a ravité le mouvement à M23, na ba ADF Nalu. Mais elle est de Goma. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Vous comprenez? Madame Sugisi, Madame Fatou, Bakanga est na Goma. Wana. A yebisanga mena. Elle est du coin. Mais bateau à ce que nous ravitaillons, bah, tu es banani, bandegoné à partie est. Allez-y comprendre. Toi, tu es journaliste à partie est. Mais bah, ça, la propagande bah, contre la guerre à est. Pendant que leur frère qui meurt là-bas. Allez-y comprendre. Il est correspondant à RFI, ceux qui glorient dans l'Iwa. Monsieur Boujakera. Ils sont de l'est, non? Mais tu as dit que tu es dans la partie est. Wana. Parce que ce qui préoccupe, et préoccupé, bah, c'est que tu es dans l'air dans l'Iwa. Moi, je pense que Mbamba Estewana, la personne la plus touchée, c'est le chef de l'État. Je crois que c'est le Baki, tant qu'il est Goma. À cause de sentir président, sur qui est cause de la partie Estewana. Il y a un moment où on a la tête.
Si c'est que les soirs, les gens qui partent, c'est un autre, mais moi, on sait qu'il n'a pas d'accord. Il a reçu des propositions. Ancien président nigérien Obasanjo, aya, aya, misa, y'a complot, wana, na est, y'a goma. Complot, wana, izala, y'a kala. Si c'est que d'ailleurs, kouta, complot, wana, izala, déjà, na mesa. Il y a une phase, y'a mise en œuvre, na yango. Y'a un régime passé, de bayaki, bayaki, pour planter des corps, wana, y'a balkanisation, dans beaucoup d'abissos. Tu sais que d'ailleurs, déjouer des plans, on a. Au plan, ça date de plus de 4 décennies dans Mboka. Vous comprendrez que Marambo est avec ma mot facilité, papa. Bato, Baolo, papa, c'est Baïli Marambouana, porté à Makambouana. Et ça, comprend, ça date de très longtemps. Et puis, c'est que d'ailleurs, vous avez dit, bon, bah, on a Rwanda. Et ça, Rwanda, derrière le Rwanda, il y a des grandes puissances. La France est derrière. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Allemagne, toutes ces grandes puissances, il y a des Occidentaux, le Canada, il y a des Rwanda. Mais si le Congo a résisté, vous devez remercier Dieu et Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Parce qu'il y a une facilité qu'on faire face à la grande puissance wana, et puis sur le terrain, on va contenir le assaut à Rwanda, il y a M23. Papa, il faut féliciter nos frères RDC. Mais moi, je pense qu'avec l'aide de Dieu, avec l'amour que Tshisekedi a pour ces pays, le combat va prendre fin tôt ou tard. Voilà, tôt ou tard, combat et est de reprendre fin parce que tout à l'heure, espérer en gros, parce que des milliers de Congolais, basali na ngambo ya est, basali ko espérer, basali ko jurer, kaka na paix parce que papa, maman, basali na besoin, balia pomme de terre na bango, loni na maboko na bango na kimia, balia ciboule, nyonso basali ko lamb, basali ko lona, balia yango na kimia parce que kimia yango de tout à l'heure, jurer na partie est ya mboka na biso. Mais toi, comment on a toujours, tout à l'heure, toujours le bela ba dongolomis. Ou bazali na parti est ya mboka na biso tomoni combien kani ba ko kanga bandeko ba libanais ba yena ba kilo ya or massif ba yena ba cobalt ba minéré ou bango ba zui na maboko oyo ke to kangi bango na maboko. Est-ce que lelo oyo ba étranger pe bazali na parti est ya mboka na biso bazo causé biso ba problème de mona mboka? Effectivement papa, na ebisa ki oké comprendre ça qui bien préparé bien fignolé. Tala ba mafia na ba choko nga ba libanais na ba banani wana pendant que le Congo et kati ba relation économique na Rwanda. Rwanda est comme une crise, mais bango bazo ravitailler Rwanda na ba minéré congolais. Vous comprenez? En complicité avec certains congolais na kati. Heureusement service de renseignement militaire ba tomba ki sur ba mafia wana ba kangi ba avec ba coffre fort o esela ba millions na kati. Vous comprenez? Ils doivent être jugés ces gens là. Et beaucoup sont des étrangers. Bazaba Libanais, Bazaba Indien. Donc Bango, Bazo ravitaille Rwanda. Parce que Congo déjà, lorsque nous avons décrété l'état d'urgence, l'état de siège, pardon, et Kataki déjà ravitaillement à Rwanda, dans la Binire Nabiso. Tant que Kagi sous Mwanga Chuchu, encore crise, et encore profond, dans la Rwanda. Mais Bango maintenant, Bango ça souffre dans Rwanda, dans Kagame, ces gens-là. Or, Bisou de Zubango Awa, comme opérateur économique, bah, on travaille dans le secteur à mine, nous autres, ce sont des mafieux, ce sont des fournisseurs, il y a Kabila, il y a Kagame, dans les minéraux congolais. Heureusement, nous disons bravo à nos services, il y a renseignement militaire, oh, bah, mettez les mains sur ces mafieux-là, il faut du reste, il faut répondre à l'acte devant la justice congolaise. Voilà comment notre pays, dans Tshisekedi a hérité un pays poubelle. C'est ça, un pays poubelle. Oh, c'est ça qui est à la portée de tout le monde. Un pasteur nigérien le barabou. Na Nigeria pas na bango. Sobo chili bango visa ya Congo na États-Unis ba wo ile ya Congo. Pour nani? Pendant que les Niger sont des mafieux. Va la Congo pour nani? Parce que Congo c'est une moka mafie le kitrou. Bilanga ba koya. Bilanga ba koya ba ko s'enrichir, ba ko se na na ba pièce auto ya mituka, nzoka ba ko exploiter awa, ba biloko musuko sala ba mbongo, biloko ba blanchiment d'argent. Voilà pourquoi to senga le Congo ba autorité na biso ba telema ba continuer toujours na vision na bazali na pour retraquer ba fausser nyonso o ba s'installer na mboka o pendant plus de 4 décennies pour copier nos ressources. Voilà, pour copier ba ressources ya mboka na biso tozali ko enchaîner toujours parce que lelo o tozali to lingi kimia ezonga na partie est na bia ya mboka na biso parce que ezali préoccupation ya ba congolais ebelé. Alors moi na mboka Joseph Kabila auti na ba source ya communication na ye kala mingi te le président honoraire azo sala point de presse à s'adresser na nation congolaise. Est-ce que malobanini le président honoraire a roulo bana nation congolaise? Moi, lui qui est le principal auteur, il y a une tuerie à partir est en Mboka na biso.
y a un brassage, un mixage, oyo, à ça na katamboka na biso. Y a infiltration, y a militaire rwandais na katamboka na biso. C'est lui Kabila, à travers les accords qu'il y a signé na mboka o par le passé. Je crois, parce que ba Congolais batanga ka mingité. Oye biso tangi constitution mboka na biso na article 217. Ba komani. Les Congo peut conclure les accords, les traités, pour céder une partie de la souveraineté na ye en cas de conflit. Bilo Kabila, est-ce qu'il y a na mboka o yango? Et un tel monsieur se permettra au tellement elle ça va aller c'est son ni mais est-ce que ça allait être moyen parce que les autres vous allez comment on a tokolobela yango peut-être les sujets où ils allaient réserver mais par rapport quand même il y a expérience il y a gestion à mboka est-ce que mon mboka Félix Antoine Tshisekedi le président pourquoi qui kokota en contact nande kona été pas sur la pona souveraineté mboka na biso Kabila a une expérience yani na Congo s'il avait une expérience il allait bien gérer le Congo. Kabila n'a pas géré le Congo, ce qu'on expérience ni nos anayamo. Parce que Mboka o Tshisekedi a hérité. Et c'est une gestion de Kabila. Au système nion sur Mboka o ils allaient foutre. À cause de la gestion de Kabila. Gestion Mboka pas qu'il y a Mboka, il y a une conséquence, il y a une Tshisekedi a aussi bien dans le monde. Kabila n'a aucune expérience sur la Tshisekedi. Expérience à nini. On signe accord dans le Rwanda au Tegambo. C'est ça l'expérience. Non. Ou bien il y a infiltré le Congo. C'est ça l'expérience que vous faites allusion. Tshisekedi n'a pas consulté Kabila. Parce qu'il reste n'a aucune expérience. Il y a malam na mboka oyo. Parce que tout ce que Tshisekedi a hérité, c'est la gestion de Kabila na mboka oyo. C'est sous sa gestion, mboka connaître l'infiltration, mboka connaître la tuerie de trop. À cause de la mauvaise gestion de Kabila, na tête à mboka oyo. Mais tout le monde est quand même à quoi apporter un message d'espoir dans la population congolaise. Mais papa, espoir. Kabila n'a pas apporté un message d'espoir dans la Congolais. Congolais, il y a un mauvais souvenir à Kabila, dans le FCC. Il y a un mauvais souvenir. Moi, je pense qu'il a raté l'occasion à s'éteindre encore. Parce que les Congolais, par rapport aux réalisations chef de l'État, c'est les chats qui dorment. Vous comprenez? Parce que le malheur à Congo, c'est FCC et Kabila. C'est ça le malheur du Congo. Pendant 18 ans, un chef d'État, il y a un peuple qui a été. Même qu'on peut s'amuser dans l'ingala, à ce qu'elle a reçu la yamuti. Non, bah avant d'aller à Kinshasa, tu y es visé dans l'élo, à Kolamuka, à ce moment-là, bah congolais. Ils insultent au peuple congolais. Mais parce que Tolanda qui, moi n'amboka papi mba ou nan bah ne connaisse, bah lobi était na régime na bango social ya congolais, ils allaient qui malamu, l'élo dollars ils allaient comata, 23 000, l'élo oyo sac à farine, 100 000, l'élo tous allaient kokindewa puis parce que bango bah lobi que moi n'amboka Joseph Kabila c'est ngeli aloba na peuple parce que na gestion na ye ils allaient makambu peuple ils allaient vivre qui mi l'élo peuple ils allaient vivre contrairement na gestion. Il y a mon amboka Joseph Kabila. Na hauteur ko yisayo au cours d'une émission et le bomimboka ozali inconscience collective. Inconscience à ba dirigeants, certains dirigeants, na nous les diriger. Ceux qui bata peur de tenir un tel discours, je suis désolé. On est ba longa ba cerveau. Vous comprenez? Comme maté à dollars ça se justifier. Vous comprenez? Par la crise mondiale, ça qui dit na Covid et puis na guerre ya Ukraine na Russie, c'est tout à fait normal. Mais revenons ici au Congo. À l'époque, Kabila a payé un fonctionnaire 96 000 francs congolais. Dis-le, combien touche un fonctionnaire de l'État? Au-delà de 400 000 francs congolais. Est-ce que peut-on comparer les deux pouvoirs d'achat? Dis-le, on se mati. Et ça, on se justifie. Mais tant que nous sommes à l'IPA, quand on a 500 francs l'IPA, ok? Avec Kabila. Mais tu touchais 96 000 francs. Et le l'IPA est commis à 1000 francs. Et tu touches 400 000 francs congolais. Au moins, tes deux pouvoirs d'achat différents. Amego j'ai la zone qui n'a pas de l'école, t'es pour aussi un discours à marquer. Oh non, moi qui touche 400 000 francs congolais, n'a pas son mali par 1000 francs facilement. Que toi qui touchais 90 000 francs, aussi mali par 500 francs congolais. Les deux pouvoirs d'achat ne sont pas les mêmes. Vous comprenez? Monter à dollars, ça se justifie notre guerre à Covid. Et heureusement aussi, peut-être, la bonne gestion, Félix Tshisekedi, a eu quand même que gérer mon kamalamu. Malgré. Crise mondiale ou crise qui est planétaire, il arrive quand même, il y a maîtriser quand même Congo, na Congolais, na crise ouana. Ailleurs, tout le monde a comment, je vais exemple na France, carburant en France, ils achètent pour les gars na Congo. Renseignez-vous, carburant en France, ils achètent pour les gars na Congo. Mais la France est un pays développé. Vous comprenez? Il faut féliciter Tshisekedi. Si on a débat, on a Kabila Tshisekedi, peut-être, on a tout dit.
C'est un tonneau vide pour dire, pour te dire tel propos. Bata Pepe dit au cours d'une émission, n'ont pas de leçons à nous donner, nous. Parce que Mboka Oyo, ils ont souffri d'une incompétence notoire à Kabila. Ils ont beaucoup souffri. Vous comprenez? Les lois Oyo, les Congolais, ils vont retenir Nini. Par rapport à l'annonce, il y a point de presse, il y a moi, Mboka, le président honoraire Joseph Kabila. Ils ont un événement. Et puis, connaissant les mecs à l'obélo, et pas au sa déclaration. Ils ont flatté, ils ont gravité autour de lui pour nous avoir quelque chose. Mais Kabila, il y a un Nini. Il y a un moment qu'on passe avant de créer un problème. Ah, l'Obani. Ah, l'Obani, le peuple congolais. Ah, l'Obani, le peuple congolais. Ah, l'Obani, le peuple congolais. Voilà. Tout le monde a un peu avancé. Tout le monde, hier, le porte-parole, il y a gouvernement, mon ami, Patrick Mouyaya, a l'Obi été pénurie, il y a maïs, na y a Okatanga, il y a ba main noire, il y a bateau, il y a Bazali, na sima, Bazali, qui a causé pénurie. Wana. Nenge moko, toti kolanda mon ami, Nicolas Kazali, ministre des Finances, na télé 50, et pas ya mon ami, Jean-Marie Kassamba. Mon ami, Nicolas Kazali, a l'Obi été, ezali na bandeko oyo, Bazali, pe ba candidat, na élection, il y a 2023, bango Bazali, qui a causé pénurie, na y a maïs, na Okatanga. Nous sommes là pour nous faire pour nous faire un peu de Moïse Katumbi. Mais vous avez dit que Moïse Katumbi est un domaine où il y a un domaine où il y a la première fois. Comment est-ce qu'un importateur peut refuser de faire pardon, farine dans le oyo et de faire kosomba farine n'est pas là? Comment expliquer ça? Et d'autres importateurs, c'est-à-dire, ba kati koteka va garder ba boy ko sala livraison na Congo. Mais ba sala ngwa de ça on profite de qui? Gouvernement qui roule ka aide na Zambie, mais Zambie a pimé libiso ma sango. Normalement, il a une main noire papa. Je crois sur le gouverneur ya Okatanga, ça fait 3 mois passé à loba ki loko wana. A kinda ki na Zambie. Il a reçu ces informations parce que lui qui na domaine wana Katumbi ya sana a makasi na domaine wana na Zambie. Ana ba izime fabrika isala ka ba farine wana na Zambie. Mais na Congo ezati. Alinga diriger Congo. Moi je pense que tout ça moi je dirais que le gouvernement congolais ba meka un peu ko la musa bukanga londo. C'est la moindre des choses. Bukanga londo ba musa ezali prestige ba musa ezali bukanga londo. Nous avons au moins 80 millions 80 000 il y a terre arabe dans mboka na biso. Tokolo na bilanga. Bilo wane aussi là. Félix Sebise qui biso notre chef de l'État, c'est biso que le sol et que soit revanche dans sous-sol. Pour dans le domaine agricole. Tous ces pays au monde retournent dans la grande puissance wane c'est de le faire agricole. Moi je pense que son ba ceux ba mettre un peu kocha ba moyen, ba tcha ba to ba gestionnaire moko sérieux. Na domaine na bukanga londo wana. Na oya ya katanga kuna comment on appelle ça oya ya nini parce ba chek na so ba ok de kuna na kanye makasese parce que kuna production za mukie. Vous comprenez? So ba kisini ya bukanga londo, je pense que et comme veut servir un peu katanga wana ba tu un peu soulager au lieu de courir derrière batu oyo ba ça la g ya certains candidats, ce n'est pas normal. Moi je pense que bango ba principal fournisseur la farine na kata Congo. Vous comprenez? Sinon, nous avons signé l'accord, nous avons signé. Mais comment les gens qui ont dit que nous livrer des farines? Comment? Mais il y a ordre de mission, ils ont signé la primature. Tout le monde dit, moi, je suis Julien Palou, je suis un Est. Je suis un grenier, je suis un Est. Et moi, je suis Jean-Lucien Boussa, je suis un quand même ya Équateur, mais na pemeni wana ayebi quand même ndenge nini makambo ya est tambolaka. Alors lelo oyo gouvernement Vital Kamerhe pazali moko ya est bango nyonso na bayebi ndenge nini grenier ya est ndenge etambolaka lelo otozali na mwana mboka Moïse Katumbi a brandir alakisi depo ya monene ezali na ba maïs ebele na kati non basalela te. Alors pourquoi pas gouvernement a solola na mwana mboka Moïse Katumbi oleki ya kende koluka solution ailleurs? Mais ce qu'on a dit, c'est qu'il y a un fournisseur, non? A te garamote. Mais pourquoi bloquer livraison? Il a fait ça à dessein. C'est-à-dire, à sali en haut, à ébiquer, peuple, côté, mais le gouvernement, pas la politique, la politicien. Vous comprenez? C'est-à-dire, à ébiquer, peuple, tant que pénurie, on est au quota, peuple, à regarder, à retourner, et ça, là, et ça, là, tout le, et ils ont le gouvernement congolais. C'est ça le problème. Comme sauveur,
Alors, c'est ce que ma farine naie à Tchango, à la place publique, population à Koussou, ma ah, t'as la Moïse, ça y est, a aidé le gouvernement congolais. T'es pas géant, non? T'es pas vers les élections. T'es pas tact, tu n'as pas politisé, ça là. Moi, je pense que pour pallier à ces problèmes, le gouvernement a vu son azo à Mongo, à Tchanaka, à l'agriculture. Pour mettre fin définitivement à Pablo Oyo, il y a Bouzoba Oyo, gouvernement zambien, et boy copé sa farine, tout consort. On va mettre fin à cela. Na tout naka sur le tali budget à Congo mbongo ezala ka alloué na agriculture ça mouki 0,3% pendant qu'il y a des institutions budgétivores na mboka na biso. Pourquoi pas réduire train de faire des institutions ko zo mbongo na ko loger à mon agriculture mais ils allaient pouvoir payer en place législature oyo parce que mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi a loba qui a pesa ki mitindo na mon mboka Christophe Mbosoke ba diminuer ba réduire train de vie ya ba institution mais jusqu'à présent tout ça wapi na réduction en train de vie yango na ebisa ki yo les soi-disant députés wana ba dans l'hémicycle wana oyo propre bango za ka ba émoliment na bango na invisible na bango du reste ça la bango te. C'est ça le problème. Et on a dit que le peuple congolais va y voter en 2023. Loi, il y a le peuple a se retrouvé. Président Yebi Sibino, bon réduire, traîner vers l'institution pour que le peuple soit soufflé. Bah boy, bah va venir. Monde va tergiverser. Parce que j'ai intérêt dans Bango. Mais l'intérêt sur les peuples, l'électeur va voter à Kabil, l'intérêt dans Bango. Et ça va. Et l'homme qui a pour 10 000 francs, il va voter dans les sous-sous. Il y a une émission précédente que le peuple congolais a voté dans les hémicycles. Il va voter dans les 21 000 dollars. Il y a une famille dans les hémicycles. Le reste est là. Parce que si vous avez un souci à peuple, il va voter dans la loi et il va pour intérêt à peuple congolais. Mais au temps d'intérêt, il va avoir un avantage dans les toucher à yangote. C'est ça le problème. Il y a un moment où le peuple a tout intérêt à changer. Classe politique congolaise. Bon, voter les jeunes qui ont besoin de souffle à Sika, énergie à Sika, pour nous recevoir les intérêts à peuple congolais. Du reste, bah, vieux wana, bah, si, bah, comme il a dépassé par les événements. Bah, monsieur Bazana, bah, n'a pas de politique à Mboka, ou n'a Mobutu, Kabila le père, Kabila fils, Tshisekedi, ils n'ont plus rien à donner, papa. Bah, qu'il y a une retraite. Vous comprenez? Bon, tu vois, on a retraite, mais forcé. Bon, voter, bah, moté. Bon, voter les jeunes. Bon, qu'il y a une retraite, mais forcé, c'est tout. C'est le problème. Réduire les trains des femmes institutions pour l'intérêt peuple, silence radio. Bon, ça semble. Mais peuple a souffri. Il y a eu aussi sur l'électorat de voter. Moi, j'ai dit non. Peuple n'a pas la naïf. Cette fois-ci, votons jeunes, votons utiles. Bon, c'est que ma peuple n'a pas de retraite, c'est mort pour trop, c'est trop. Ma peuple, si les maires, les gens qui ont raté, ils ont tout donné. Bah, ils ont tout donné. Ils ont tout donné. Bon, que dirais-je de l'inexpérience et entourage du chef de l'État dans la présidence Mobimba? Moi, je pense que lorsque Kabila a côté de Botamboula, il avait quelle expérience? Kabila. Alors, arrêtons avec ça, l'inexpérience, tout qu'on sort. L'expérience, c'est parce qu'on a Moussala, non? Tant que nous avons Moussala, même tout le monde a eu trop souffert dans Yango. Ou tu fraîchement à l'université, tu as une entreprise qui postule, tu as 5 ans d'expérience. Non, tu as une expérience. Tu as une expérience. Tu as une expérience. Plus tu as une expérience. C'est ça le problème. Pour moi, mes alliés, au moins, il y a beaucoup de jaloux. Vous comprenez, je suis sur Awa, car il a des gens qui ont l'âge de 29 ans. À ça, tu as bidé la classité, Kabila. Mais il a à gérer ce pays. Les grands Congo. On n'a vu personne dire mais on voit une expérience. C'est ça le problème. Ok? Tshisekedi a hérité Mboka Oyo. Mais tu as sa manière de faire les choses. Tu as sa manière de faire. Bango ba vie, on a travaillé dans Mboka pendant des années, pendant des décennies. Avec expérience Mboka a créé le Lomboka Izawap. Kabila a été entouré des éminents professeurs. On a une expérience Mboka Yamakasi. Mais mbok le leza. Pourquoi mes expériences ici? Pourquoi il y a volonté na bolinga Congo? C'est ça le problème. Pourquoi mes ya na volonté de mieux faire na bolinga Congo na ba congolais no osala malamu. Pourquoi mes expériences ici? Expérience bazo au fur et à mesure osala musala, expérience ezoya.
les sénateurs Marcel, la population, les lots congolaises et puis bande connions so ya 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 limité ba senga na tout na yo question moko. Les lots oyo to zali wapi na dossier SNEL. Dossier SNEL on a ya boire et à manger. Les DG wana azaki suspendi. Ils ala qui volonté abattement entre guillemets pendant que le monsieur était innocent. Lorsqu'il a pris ses fonctions, il a écrit la première ministre, il a écrit la ministre des titres, batine basse la une commission, bah il a avant mana azo abana ko gérer, ba me ko statuer sur makambo ya kuti na kati ya SNEL. Mutumo atinde atine batine la commission mon côté. Akuta ba dossier ba 1 milliard na kati ya SNEL wana. Ba nyongo n'en parlons même pas à SNEL. Au banda wap, avant même IGF, AIA, que ça la contrôle na kati ya SNEL. Le là je pouf la nini parce qu'il y avait déjà ni numéro d'expert, mais ça qui par rapport au passe qu'il faut pas tchakour on a eu mina quoi, moi je crois, et qu'il n'est pas 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 n'est à 34 millions de dollars. Il y a à boire et à manger. Ba Monique wa sala ki mukie ba oliate, c'est la vérité. Et puis cette dame là, avant de sanctionner quelqu'un, il faudra tinda une équipe d'enquête na kata ya ya SNEL pour ce ministre. C'est ça. D'emblée, comment tu vas sanctionner moutou comme ça sans pourtant tenir compte même à Bablo Lobaki. Il avait dénoncé à dénoncé en temps à lui pouvoir naïe, il a dénoncé tout ça. Mais bah, si la commission m'a été enquête, c'est monsieur est innocent. À sa victime, il y a bonne gestion. Je vous dis vrai. Bah, député, il y a un député qui a dit que les gens sont alimentaires. Vos députés ici. Il y a un moment où les messieurs, à sa innocent, le chef de l'État, c'est le ministre des titres, il a réhabilité des jours. Après les enquêtes, au niveau présidence. Le messieurs est innocent. Mais c'est Fabrice Roussine. Vous comprenez? Et puis cette dame-là, avant de sanctionner, il fallait que la commission, le comité de gestion à SNEL, à Solana Bango, à s'imprégner dans la réalité à SNEL. SNEL est impossible à SNEL. À Kouti, il y a impossible au Bandawa. Et puis, il y a un alimenté qui est en SNEL va nous foutre à Nyongo 700 000 dollars par mois à Ozoangoa. Vous imaginez? Tellement les messieurs avaient refusé ça. Ils ont écouté. C'est ça la vérité. Bah, qu'ils ne confirment pas, ils ont vrai. Mais c'est aussi, ce qui est Lucinde, Wana Fabrice, n'aille même pas. Mais c'est un innocent. Il est victime de sa bonne gestion. Voilà, merci. Deuxièmement, parce que, à aussi la partie politique du Moroté, il avait postulé par rapport à l'expertise, n'aille, ne va arrêter, n'aille. C'est ça le problème. Soit on a la partie politique, mais on a été. C'est ça la vérité. Et que cette dame-là a dit que la démarche on a biaisé. Madame, on a porté fait. Et ce n'est pas dans sa première forfait. A dit que la on a. Avant de sanctionner Moutou, il faut qu'il y ait une commission. Bata là-bas étudier le dossier, ça comment? Toi, d'emblée comme ça, on va sanctionner Moutou, Karaboui. Non, ce n'est pas normal. Voilà, merci beaucoup sénateur Marcel Nabandi et tout soit guitant yako sulolana population mobimba o balandio lelo oyo oko se fixer devant caméra na yo repé sa message ya population bazali kozela message et pa ina yo caméra yango. Quand aux populations congolaises to senga bango ba pesa toujours confiance na chef de l'État parce que les chefs a aussi soucié mingi pour na population na yé. Je pense tant a du pouvoir il avait hérité, hérité un pays où il s'est peut-être na kati ya gouffre. Il a fallu maintenant pour travailler au ramenant même la surface. Et puis en 2024 maintenant, je pense social la peuple qu'on est allé et on les allé le bosso chef à ko sateler na yango. Bon peuple chef confiance parce qu'il a une vision pour le Congo, il a l'amour du Congo et on besoin na lelo. Bon landa ba conglomérat ba ventirer on a té. Ils sont préoccupés par le Congo, diriger le Congo pour le Congo. Il reste les talibans. Tout le monde a soit des opposants. On a été condamné Rwanda et Kagame, banda agression et banda. Mais ils sont préoccupés par le diriger le Congo. Le Congo est poubelle chaque fois. Le Congo est un dépotoir. Si tu veux, il y a un président qui est né dans Zambie,
qu'il y ait au Cameroun, qu'il y ait au Sénégal. Laissez le Congo aux Congolais. Vous comprenez? Cette fois-ci, le peuple congolais a causé la sous-bêtise ou la oh, bah, fini mission de par le monde, il y a un étranger qui va diriger le Congo. Cette fois-ci, le Congo aux Congolais. Tu es étranger, tu es beau, tu es dans ta boulangerie, on ne sait pas une victoire, ou tu es dans la pour la présidence, ils ont réservé pour les Congolais. Des souches, des pères et des mères. Quant à moi, je vous prends congé. Tout le monde est dans la prochaine émission. Mon numéro, c'est le plus 243 81 52 99 123. Je suis un sénateur de réunion samedi, de 15h à 17h, chez 6 Canadiens Emery Limité. Bye bye. Merci beaucoup, sénateur Marcel. Merci Nabalandino sur Congo Live Télévision. Tout le monde est dans la prochaine émission.